Alors, bah, la journée, déjà, bah, on se met en place pour la production. Chaque personne a son rôle. Et puis ensuite, bah, on doit être prêt pour... nous, en ce qui nous concerne, c'est 10h30. Les circonstances aussi de la pandémie, enfin, on a travaillé sur le sens de circulation, le minimum de brassage, et puis et chaque classe reste ensemble. C'est juste au niveau de la distribution où là, vraiment, on a dû mettre en place et se réorganiser. Mais autrement, le reste du travail est resté quand même à peu près le même qu'avant. C'est possible de reprendre les commandes agri-locales. Donc, par exemple, pour les lentilles et la farine, on a la ferme Georgel qui est à Dole, donc à 5 km de Certigny. On avait un maraîcher bio aussi de la SU. Le but, c'est quand même ça, c'est pas non plus d'aller très loin pour chercher des produits. Bah, l'objectif maintenant, c'est de faire manger les enfants au maximum leur plateau. Donc là, c'est le prochain chantier que je me donne, c'est vraiment le gaspillage alimentaire. Nous, au niveau de la cuisine, on gère forcément, on ne fait pas n'importe quoi, on fait très très attention aux quantités. Tout ce qu'on peut utiliser jusqu'au bout, on l'utilise. Je dirais que c'est quand même un travail d'équipe, hein, parce que bon, on parle de, justement de l'engagement, du local. Voilà, il faut quand même que les équipes soient motivées aussi. Hein.